Parmi les autres manifestations nombreuses qui se sont déroulées aujourd'hui, celle spontanée de jeunes lycéens de Saint-Marcellin en Isère. Ils se sont baladés dans les rues de la ville, brandissant des slogans, liberté, égalité, fraternité, et aussi nous sommes Shirley, décidément on y revient. Et ce matin, justement, au lycée La Solée de Saint-Marcellin, était organisée une fausse conférence, mais un vrai spectacle débat sur les inégalités. Un temps de réflexion proposé par l'Hexagone de Mélan aux élèves de terminale de plusieurs lycées en Isère, avec pour arme principale le rire. Jean-Christophe Solari, Yves-Marie Clos. À la pointe du triangle, 1% des personnes les plus riches du monde possèdent 14% des richesses mondiales. Oui, et 1% des personnes les plus riches en France possède 24% des richesses nationales, ce que ne dit pas l'indice de Gini. Mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Non, nous ne vivons pas dans un monde idéal, mais dans un monde inégal, où les frustrations dégénèrent, où l'humour est fusillé. Comment s'en sortir? Là est tout le débat. C'est en haut sur le tableau! Bah, je suis désolé, mais l'événement d'hier, le soir, il y avait des millions de personnes dans la rue qui étaient déjà mobilisées, et en fait, je suis désolé, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il faudrait juste que les Français se bougent, enfin pas les Français, tout le monde se bouge juste un peu le cul, parce que tout le monde a besoin d'un gros choc, d'un gros boom, en gros, pour les faire réagir, quoi. Sinon ils y arrivent pas. Le monde, c'est pas juste le monde, c'est vraiment, il y a vraiment plein de choses derrière, et que c'est complexe, et oui, les extrémistes, ils font quelque chose de mal, mais il faut aussi, je pense, les comprendre, et avant de les juger, savoir pourquoi ils ont fait ça. Ce qu'il va falloir vraiment faire, c'est au quotidien, par des petites choses, par des attentions aux autres, ça doit se faire tout doucement, comme disaient les amis, aussi, ça va être dans les valeurs qu'on va avoir, comment on va dans l'éducation. La France est en haut. Non, là, elle est en bas. Toujours pareil. Non, elle est en haut. Non, là, elle est en bas. Non, elle est en hausse. Non, ce sont les inégalités en France qui sont en hausse. Et nous-mêmes, même si on ne peut apporter qu'une goutte pour arrêter l'incendie, bah, c'est la goutte que nous, on va amener. C'est toujours travailler pour qu'au moins, nous, on ait fait quelque chose et que notre existence, elle ait servi à quelque chose et qu'on ne soit pas juste là à se dire bah, les autres ne feront jamais ou la politique nous empêche ou dans tous les cas, on est dans un monde de merde, entre guillemets. La convivialité réduite à l'anonymat. La pédagogie par l'humour. Le combat continue, encore et toujours. Charlie a fait des petits.